Bienvenue à tous, section Hitbo des doutes. Alors, Barat Hachem, on avait l'habitude jusqu'à présent de parler de la Hitbo des doutes, de l'isolement entre nous et Hachem, et maintenant on va parler d'autre chose. Parler avec soi-même. Il y en a pour qui c'est très très compliqué de s'adresser au Créateur. Ils ne voient pas, ils ne connaissent pas, ils ne ressentent pas dans leur cœur. Alors, faire appel à quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est pas de la tarte à Bretagne, c'est pas facile. Là, on va parler d'un truc qui est très très simple, parler à soi-même. Il y a une parole de Rabbi Nachman de Breslev. Une fois, il a dit à son élève, habitue-toi à parler à tes membres. Habitue-toi à parler à tes membres, à ton corps, à ton cœur, à ta tête, à tes mains. Tous les membres qui ne font pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, explique-leur qu'est-ce qu'ils perdent. Et explique-leur aussi qu'est-ce qu'ils gagnent. Le but, c'est vraiment de convaincre son corps de suivre son âme. On veut maintenant faire un avec Hachem. S'il n'y a que ton âme qui a compris les choses, s'il n'y a que ta tête, que ton cerveau, que ta sagesse, et que ton cœur, tes sentiments, le cœur qui est appelé le roi du corps, le cœur c'est le Melech HaEvarim, le roi des membres. S'il ne te suit pas, tu ne pourras pas évoluer. Au cas où vous ne le savez pas, on a tous un petit enfant à l'intérieur de nous. Un petit enfant qui n'a pas encore grandi. Peu importe ton âge, toi qui regardes ce cours, même si tu as 70 ans, il se peut qu'il y ait encore un petit enfant à l'intérieur de toi qui n'a pas grandi. Cet enfant, tant qu'on ne lui explique pas les choses, tant qu'on ne lui enseigne pas les choses à son niveau, et qu'on ne le rassure pas, et qu'on ne l'amène pas à nous, qu'on l'amène à notre niveau, tant qu'on ne l'amène pas à notre niveau, alors il ne nous suit pas. Et il nous tire vers le bas. Il nous rappelle notre passé. Il nous rappelle des sentiments désagréables, des situations qui nous font reculer, des images, des épreuves qui nous empêchent de voir de l'avant et ainsi de suite. Donc le but vraiment de la Hitbo des doutes, c'est de faire du tri à l'intérieur de soi. Parler au petit enfant qui est à l'intérieur de nous. Parler à nos membres aussi, leur expliquer. Faire une rencontre avec soi. Exemple tout simple. Parfois on peut constater que l'être humain, il est sur le mode pilote automatique. Il ne tient rien du tout. Il ne tient pas les manettes. Il n'est pas en train de diriger. Un peu au milieu, un peu en bas, un peu en haut. Et après, il a le mal de mer, le bonhomme. Il ne sait plus qui il est, il ne sait plus où il habite. Pourquoi? Parce que ses sentiments le tourmentent. C'est tes sentiments. C'est ton passé. C'est tes désirs qui ne sont pas cadrés. C'est vraiment un manque de tri intérieur. Donc le but, en fait, c'est de se retrouver et de parler à nos désirs. Et leur demander qu'est-ce qui nous apporte vraiment. Et aussi, quelles sont les conséquences de ces désirs? On a l'habitude de dire, sur le coup, ça fait du bien. C'est intéressant de constater qu'on dit, sur le coup, ça fait du bien. C'est vrai qu'il y a des choses qui font du bien sur le coup, mais après, ça nous met un sacré coup à bataille. Pourquoi ça nous met un sacré coup? Parce que l'instinct, il est aveugle, comme ça la Gemara nous dit. L'instinct, il est complètement aveugle. Il ne voit que ce qu'il ressent à l'instant T. Si jamais tu lui fais prendre du recul, un tout petit peu de recul, tu lui dis réfléchis aux conséquences des choses. Réfléchis à chaque mouvement, à ce qui peut se passer quand tu te laisses aller. Chacun avec ses choses à travailler. Réfléchis aux conséquences des choses. Là, l'instinct, il prend peur parce que l'instinct, il a envie de kiffer. L'instinct, il a envie d'être bien. Alors quand tu lui expliques qu'il va plus perdre que gagner, alors il te suit l'instinct. Ce qui est marqué dans l'écouté Moran, le principe de l'Hitbo des doutes, c'est de peser le pour et le contre. Se parler à soi-même avec esprit reposé. On n'est pas dans l'épreuve, on est en dehors de l'épreuve pour l'instant. On est avant l'épreuve. Je dois regarder l'épreuve avant, avec du recul, avant qu'elle arrive. Ou bien quand je sais que j'ai des désirs à travailler, ou bien des choses qui me font trébucher, ou bien des choses qui me font du mal, des sentiments qui me tirent vers le bas. Je dois sortir, m'isoler, me mettre à côté d'Akadosh Baruch Hu, me mettre en face d'Hachem et me parler à mon cœur, parler à ce sentiment qui me tourmente tellement. Donc, en résumé, le fait de savoir plein de choses, c'est extraordinaire, mais intérioriser les choses, pardon, c'est une autre paire de manches. Le fait d'intérioriser les choses et de les placer sur son cœur, ce qui représente, au cas où vous ne le savez pas, la sortie d'Égypte, Vashevota Elevecha, faire passer la connaissance dans le cœur, vivre avec nos connaissances, vivre avec la Torah, vivre avec Hachem, vivre en harmonie avec nos connaissances, avec la vérité. C'est ça qui va nous sortir de toutes nos limites.
Chazak Baruch.